Coucou à tous, donc aujourd'hui c'est une vidéo haul action, et oui, j'ai encore craqué et j'ai trouvé des petites choses sympathiques, on va voir ça ensemble, allez on commence. Alors, on commence cette vidéo, je tiens à préciser que je ne ferai pas la même erreur que la dernière vidéo haul action, où, parce que j'en ai marre de chercher sur mon ticket, donc j'ai trouvé une solution, je marque le prix sur les articles, comme ça, ça ira plus vite et puis ça sera mieux pour vous. Alors, j'ai trouvé des petites choses sympas. Je vais commencer par les produits. Un produit, en fait, c'était en promotion. C'est le spray Vanish. Voilà. Donc, il y avait en poudre. Moi, j'ai pris en pistolet. Il était à 1,69€. Donc, franchement, ça valait le coup si vous recherchez des produits anti-tâches. Je pense que c'est un bon produit. Moi, j'avais essayé en poudre et ça marchait très bien. Ensuite, alors, ça, c'est nouveau. En tout cas, dans mon action, c'est la première fois que je vois ça. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà eu ceci. Donc, ce sont des cartes de vœux, mais en paint diamond. Voilà. Donc, dedans, vous en avez 4. Ça coûtait 1,89€. Vous en aviez deux styles. Donc, là, c'est pour la Saint-Valentin, je pense. Et vous aviez pour les anniversaires. Donc, vous avez 4 tableaux comme ça. Donc, pour 1,89€, ça peut faire un petit cadeau sympa aussi à offrir. Ensuite aussi dans les promos, donc ça c'était pas en promo, hein, les cartes de vœux, mais je voulais vous les montrer. En promo, vous avez des draus. Je crois que c'est des draus. Vous aviez, je sais plus si c'est des têtes d'oreiller, je sais plus. Mais en tout cas, les draus étaient à 2,99€. Donc j'en ai pris un gris, comme ceci. Et j'en ai pris un, je sais pas quel c'est quoi comme couleur ça, un vert, on va dire. Voilà, donc j'ai pris moi pour une personne, hein, 90/100 × 190/200 cm. Donc là j'ai pris pour une personne, c'est pour mes garçons, parce que je ne sais pas où j'ai mis mes draus. Voilà, donc en partie c'était pour ça que j'allais, hein. Et en fait j'en ai eu pour 51€, quoi. C'est incroyable. Ensuite pareil, j'ai trouvé ça, c'est nouveau. Ce sont des carnets comme ceci. Voilà, donc en fait, c'est, alors ils appellent ça des journaling design pad. Bon, dedans, il y a 24 feuilles en A4. Et donc, voilà, vous avez, alors vous avez des photos comme ça, vous avez des dessins comme ceci. Je sais pas, j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Voilà, donc c'est pour vous montrer, c'est un peu la savane. Hein. Voilà, il y a l'éléphant. Et je trouve que ça peut être sympa aussi à mettre en cadre. Si vous... Et après, vous avez des petites étiquettes comme ça. Je trouvais ça super sympa, en fait. Donc là, c'est le thème de la savane, hein, bien sûr. Et puis, vous avez des petits stickers comme ça aussi. Donc, ça peut être pas mal. Je trouvais que c'était pas mal. Donc là, il vous montre derrière à peu près tout ce qu'il y a. Voilà. Donc ça, ce sont des livrets. J'en ai pris deux. Les deux qu'il y avait. Et c'était les deux styles. Et c'était 1,79€. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer l'autre. Donc il est plus girly, hein, par contre. Et il n'y avait que ça en fait. Et dedans vous avez tout ça. Donc vous avez, bon, c'est très papillon. Vous avez des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si j'allume. Ouais, ça va être trop lumineux. Voilà, faut pas... pas chercher loin, et voilà, donc c'est des trucs comme ça, je sais pas si vous voyez, donc je pense que ça peut être sympa pour mettre dans un journal, etc. Voilà, donc pour 1,79€, je trouve que c'est pas mal, c'est nouveau, hein. Moi en tout cas j'ai pas vu ça dans mon action il y a quelques semaines, parce qu'il y a même pas une semaine, ouais je crois qu'il y a une semaine ou deux j'y suis allée. Donc ensuite on continue, hop, j'ai acheté un cadre photo en 30-40. Parce que j'ai, je vous ai, donc la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, c'était Shein. Désolée, j'avais plus de place sur mon portable, comme à chaque fois, je sais. Il faut que j'enlève tout ce qu'il y a sur mon portable, parce que ça me gonfle. Donc, j'en étais à ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un reflet. Donc, c'est un cadre photo, tout simplement, en 30-40. Et donc, sur Shein, comme je vous disais précédemment... j'avais acheté des pen diamond sur ce site, à ma grande surprise, et donc il y a un pen diamond avec un rouleau de papier WC brillant,
que je voulais mettre dans, donc, dans les WC. Et j'ai trouvé voilà, le cadre qui coûte tout simplement 2,79€. Donc franchement, très bien. Le contour est doré, donc ça va aller parfaitement bien avec, avec le pen diamond. Ensuite, j'ai trouvé, alors là, j'avais pas vu, je voyais que du déodorisant Air Freshener, donc ce fameux Air Freshener, mais en rose. Donc, je crois pas que je l'ai utilisé. Donc, il y a 98% d'origine naturelle. Et ce produit coûtait 99 centimes. Donc, ça, je l'ai en violet, je crois. Je l'ai eu en orange, je sais plus. Et là, je voulais le tester, celui-là. Donc, si vous l'avez déjà testé, bah, dites-moi en commentaire. Ensuite, je suis tombée sur un petit stylo comme ceci, avec une étoile. Il est très beau. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très très beau. Il y a des petites paillettes dedans, là. Donc, je vais vous l'ouvrir. Il coûtait 89 centimes. Il y en avait avec un tigre, je crois, ou je ne sais plus quoi. Je crois qu'il n'y avait que deux styles. Celui-là, j'avais, en tout cas, dans mon magasin, il n'y avait que deux styles. Donc, après, peut-être que dans le vôtre, il y aura mieux. Voilà, je vais vous le sortir pour que vous puissiez voir. Voilà. Et en fait, il est pailleté, vous voyez. Et ça tombe. C'est super joli, hein. Voilà. Donc, celui-là, il se tourne ou quoi? Il fait quoi? Ah oui, il se tourne. Voilà, ça se tourne. Donc ça, c'était 89 centimes. Pour 2,79€, j'ai acheté un lot comme ça d'ampoules en LED. 3 watts, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Alors, c'est de la marque Eurodomest. Et voilà, donc j'ai pris. On verra bien. Donc, c'est des ampoules comme ça qui se tournent. Donc, j'espère que ça va être pas mal. Je sais pas. J'espère que ça éclaire quand même assez fort. Mais bon, je pense pas que... Les LED, je suis pas trop fan. Mais bon, il y avait que ça, en fait. À prix, on va dire, abordable. Donc, dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés. Bien sûr, j'ai repris pour 95 centimes ma boisson... À l'aloe vera, bien sûr, je vais la mettre au frigo, bien frais, c'est super bon. Alors, il faut aimer, voilà, il y a des petites particules, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il y a des petites particules dedans d'aloe vera, et il faut kiffer, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ce produit. Ensuite, j'ai pris de la vaseline, ça fait plusieurs fois que je voulais la prendre, c'est vrai que ça sert beaucoup, pas seulement ce que vous pensez, hein, mais la vaseline, ça sert pour réparer les lèvres, les mains aussi, et aussi des rougeurs, des craquelures sur les doigts quand vous faites le ménage, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien d'en avoir toujours sur chez soi, en fait. Et en plus, il n'est pas cher, c'est 1,99€. Voilà, et dedans, vous avez quand même 100 ml. Donc, voilà, et ça se présente comme ça dedans. Donc franchement, il n'y a pas d'odeur, hein. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai pris des glitter masks peel off. Je vais retenter. Je vous avouerai que j'avais pas kiffé les masques peel off, mais j'ai la peau un peu grasse, même beaucoup, et je pense que ça pourrait me faire du bien. Donc voilà. Et dites-moi en commentaire s'ils sont bien ceux-là. Il me semble que oui, mais bon, ça se vend par 4 et la boîte coûte 99 centimes. Ensuite, j'ai pris cette lingette Makeup Remover Clothes qui est réutilisable et qui coûte également 99 centimes. Donc, je ne sais pas trop... Je vous avouerai que je l'ai prise parce qu'en fait, ça a l'air pas mal du tout. J'ai eu des très bons échos. Et en plus, elle est assez grande, il paraît. Ah ouais, très bien. Et en plus, on peut mettre les mains sur chaque côté. Donc, c'est les mains, les doigts, je veux dire. Voilà, hop, et puis hop, tac, tac, tac. Donc, non, franchement, très douce. Écoutez, on va voir, hein, pour 99 centimes. Écoutez, apparemment, elle est top. Donc, si vous l'avez déjà testé, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Ensuite, j'ai acheté des Sésame Snap. Bon, bah, ça, c'est pas la première fois que j'en prends. Ça coûte 75 centimes, et dedans, vous avez 4 sachets. Et je crois que dedans, vous en avez 3, en fait. Voilà, donc ça c'est super bon, quoi. Vous avez un coup de mou, vous prenez ça, tac, c'est... Moi j'adore. Ensuite, pour mes enfants, alors là je leur ai acheté pas mal de choses. Pour mes enfants, j'ai pris Milka comme ceci, qui coûtait 1,25€. Donc dedans, vous en avez 5 sachets.
Donc ça c'est bien, ça s'appelle des cake and choc. Ouais, des cake and choc. Donc ça c'est pas mal. Et dedans vous avez quand même en grammes 175 grammes. Je sais pas si je vous l'ai dit, le prix c'était 1,25. Ensuite, j'ai acheté pour ma voiture, pour 99 centimes, vous avez je crois que c'est ça. Oui, c'est 99 centimes. Alors en fait, c'est pour, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pour nettoyer l'intérieur quand il y a de la buée, etc. le matin. Et je vous avouerai que c'est bien, ça va être bien pratique. Parce que franchement, faire avec la main ou la manche, ça laisse des traces. Donc ça, je vais le tester. Si vous l'avez déjà testé, dites-le moi en commentaire, ça serait intéressant pour moi. En tout cas, voilà, c'est pour juste nettoyer vos vitres de voiture. Ensuite, on repart dans la nourriture. J'ai acheté des peanut cookies. Alors, c'est pareil, j'ai vu ça, que ça tourne pas mal. C'est des gâteaux, donc, je crois, au beurre de cacahuète ou un truc comme ça. Et ça coûtait 83 centimes. Donc, dedans, vous en avez une bonne dizaine. Et en grammage, 175 grammes. Voilà, donc pareil, j'ai hâte de tester. Parce que, franchement, ça a l'air d'être bon, hein. Ensuite, j'ai pris des Haribo Chamallow comme ça pour mes petits loulous. Donc 1,19€. Et dedans, vous avez quand même 175 grammes, pareil. Donc voilà, ça va être marrant. Ils vont être contents. Ça. De temps en temps, un petit bonbon, ça fait pas de mal. Hein. Voilà, je sais que les bonbons, c'est pas non plus le kiff de manger tout le temps des bonbons. Toujours en nourriture. Oui, j'ai pris pas mal de choses en nourriture. J'ai pris des madeleines comme ceci, qui coûtait 88 centimes. Donc dedans, vous en avez une bonne dizaine aussi. Il y a 350 grammes et c'est de la marque Bakey's. Donc je pense que c'est peut-être anglais. Non? Non, c'est hollandais. Excusez-moi, c'est hollandais. Donc vous en avez en nature comme ça et aussi avec du chocolat. Voilà, donc pour 88 centimes, ça c'est très bien pour 4 heures ou même le matin. Ensuite, j'ai repris ceci. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est du nougat enrobé de chocolat noir. 99 centimes et avec un petit café, les filles et les garçons, c'est super bon. Franchement, ça, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais alors ça, c'est un délice. C'est de la marque Marandi et dedans, vous en avez 160 grammes. Donc voilà, c'est des carrés en fait, comme ça. Ça, c'est super bon. Ensuite, j'ai pris encore des Milka Chocostic comme ceci. Donc pareil, c'était 88 centimes, donc c'était pas cher. C'est comme des fingers, quoi, en fait. Donc ça, les garçons, ils aiment bien ça. J'ai repris, bien sûr, des Smarties pour 1,59€. Parce que les garçons adorent ça. Bah, surtout mon petit dernier qui aime bien. Des fois, il en met dans son yaourt nature ou sur une glace. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc ça, dedans, vous avez quand même 11 petites boxes avec des petits dessins comme ça. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, ah, j'ai pas fini, hein. Ensuite, j'ai racheté un lot de craies comme ça. Ça s'appelle des craies. Des craies grasses. Je vais y arriver. Donc, dedans, vous en avez quand même, si je ne me trompe pas, vous en avez 24. De toutes les couleurs. Hein. Ce n'est pas du violet, hein, c'est toutes les couleurs, bien sûr. Et le prix, je l'ai mis où? Je crois que c'était 80. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est 89 centimes. Donc, c'est vraiment pas cher. Ça va vous trouver ça dans le rayon créatif pour enfants. Ensuite, j'ai pris encore des masques, mais cette fois-ci, c'est pour les boutons noirs. Parce que c'est une atrocité, là. Il y en a 6 dedans, 6 patchs. C'est de la marque Alvira. Première fois que je vois ça. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà testé. Voilà, donc c'est vraiment que pour le nez, apparemment. Et ça coûtait 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des petits œufs surprises. Parce que mes garçons aiment ça. Hein. Surtout bon, mon grand a 12 ans, donc ça passait l'âge, mais. J'ai trouvé ceci, donc là c'est les mignons, et je crois que vous aviez une princesse, je sais plus. Donc dedans vous avez 3 œufs, et ça coûtait 1,95€. Donc pas cher du tout. Hein. J'ai repris forcément mes Acres Mint, hein, à 69 centimes, pour pas changer. Hein. J'en avais pas pris la dernière fois. Hein. J'ai repris un câble, parce que le câble que j'avais acheté la dernière fois chez Action, c'est pas le bon. Alors j'ai repris un câble qui fait 2,5 m, comme ceci. Donc j'espère que celui-là, normalement, ça doit être le même que j'ai actuellement qui fonctionne plus. Voilà, j'en ai parlé, ça pue, ça ne fonctionne plus. Donc là, c'est de la marque Reload.
Et c'était, je crois, 1,79. 1,69. Voilà. Donc ça, c'est très bien. J'ai acheté aussi, alors ça, c'est la première fois que je le vois, c'est un spray fixant Max & More. Donc, je sais pas, il est rosé. Voilà, il est rose. Et donc, c'est un fixateur. Et ça coûtait 1,49€. Donc, pareil, je jamais testé. Dites-moi en commentaire. Hein. Et il faisait 75. Il fait 75 ml. Ensuite, pareil, j'avais pas vu ça. C'est la marque Impulse. Et c'est un rasoir. Donc, vous pourrez raser la moustache si vous en avez. Les sourcils. Voilà, ça coûtait 1,99€. Et voilà, il vous montre les zones où on peut raser, hein, les sourcils. Ça peut être les jambes, s'il y a quelques poils qui restent. Ça peut être au niveau de la nuque. Voilà, ça peut être sympa. Donc, c'est électrique. Bah, électrique, ça veut dire que ça marche avec une pile, je veux dire. Vous avez une brossette, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ça coûte 1,99€. Première fois que je vois ça chez Action. Eh bien, écoutez, les filles, on va tester. Hein. On va voir. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire. J'ai repris du coton toujours à 99 centimes. C'est les cotons pads. Ils sont bien, ça fait leur job. Mais comme j'ai toujours dit, c'est en dépannage que je les prends. Hein, parce que sinon, après. Hein. Ensuite, j'ai pris ceci aussi. C'est la première fois que je vois ça. C'est une compresse en fait. On peut en gel. Et vous pouvez la faire chauffer ou la mettre au congèle. Donc ça, c'est comme ça se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer. Et pourquoi j'achète ça? Parce que des fois, j'ai mon grand qui fait des crises d'aérophagie. Et que la seule solution, c'est de mettre des compresses chaudes pour calmer en fait. Voilà. Donc ça se présente comme ça avec des petites bulles dedans. Et donc ça a l'air d'être pas mal. Donc ça vous pouvez, donc si c'est chaud, bien sûr, vous mettez ça dans un torchon, dans un chiffon. Et vous mettez pas, quand c'est chaud, vous mettez pas, ou même froid, hein, vous mettez pas sur la peau, à même la peau quoi en fait. Et ça c'est bien. Ça, c'est bien pratique quand vous vous cassez la binette, quoi que ce soit. Ça, c'est cool. Donc, je vais vous redire le prix, je sais où je l'ai mis. Et c'était, donc ça, c'était 1,99. Donc, franchement, ça, c'est dans le rayon sport, tout simplement. On repart dans la nourriture. J'ai repris des nippons. J'ai trop kiffé la dernière fois. Donc, ça fait un moment que je n'en avais pas acheté. Ça coûte 1,27€. Donc, c'est du riz soufflé et enrobé de chocolat noir, tout simplement. Et je quitte. Non, chocolat noir ou chocolat au lait? Ah, c'est peut-être au chocolat au lait. Mais franchement, les nippons, un délice. Pour mon grand, je lui ai repris des cintres comme ça, par 10. Donc, ça coûte 1,69. Ce qui est bien, c'est que ça tourne. Par contre, faut pas trop forcer dans l'armoire si vous avez trop de fringues, parce que ça se pète. Hein. Soit la barre, ou soit le haut. Voilà. Je le dis, hein, mais... Mais bon, pour 1,69€, faut pas se leurrer. Hein. Mais ça tient quand même. Hein. C'est quand même de la bonne qualité, un petit peu quand même. Mais il faut y aller mollo. Et je crois que c'est le dernier article que je vous présente. Pour 99 centimes, ceci. C'est un câble aussi USB charging câble. Apparemment, alors celui-là, il fait 1,5 m. Et... Ah, excusez-moi. J'avais un truc qui me grattait dans la gorge. C'est horrible. J'ai les yeux qui pleurent. Donc, je suis désolée pour le dernier article. Donc, c'est un chargeur, en fait, à 99 centimes. Et vous pouvez donc charger votre appareil ou transférer des données. Donc, ça peut être sympa. S'il y en a qui sont en recherche, il y en a à Action. Donc, pareil au niveau des portables. Je suis désolée. Hein. J'ai... Oh punaise, oh là là, faut pas que je pleure, hein, dis donc. Mais ça m'a fait pleurer, dis donc. Donc voilà mon haul Action. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez été chez Action dernièrement, si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés. Et en tout cas, moi je suis contente, j'ai trouvé des produits nouveaux, hein, comme ce produit-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bah, ce produit-là aussi, le fixateur Max & More, je n'ai jamais vu. La compresse comme ceci, là, je ne l'avais pas vu non plus. Donc, non, franchement, je suis hyper contente. Et puis, n'hésitez pas, hein, en promo, pour ça, les draps, ça, c'est super bien. Pour 3€, franchement, c'est vraiment pas cher.
Donc voilà, bah sur ce, likez, partagez et mettez des pouces bleus, c'est gratuit. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais tout plein de gros bisous, merci de me suivre et à une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo, j'en perds mes mots. Allez, bye, à plus!